Dans l'épisode précédent, on s'était un peu échauffé dans le cimetière du camion avec notre AK, confirmé que tout était bien. Et dans cet épisode-ci, on va aller à Yantar et commencer à s'approcher du laboratoire pour désactiver le Brain Scorcher. Et au passage, du coup, se faire un max de planques qui était resté sur le côté puisque la zone psy nous empêchait d'approcher trop en avant. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire et pensez à partager autour de vous. Allez, bonne vidéo. Je vais peut-être en profiter pour prendre un kit d'outils et le donner au mécano qui a Yantar. Comme ça c'est fait, je donne Basic Tools, Advanced Tools au mec. Je sais plus s'il est affilié vraiment écologiste ou pas, le mécano de là-bas. Mais éventuellement ça me fera 3 ronds comme ça gratos. Ah puis je voulais passer aussi par le boucher pour acheter plein de balles low point. Parce que quand on va faire le Brain Scorcher, le problème c'est pas du tout l'humain, c'est vraiment les mutants. Il y a plein de mutants là-dedans et c'est des mutants assez vénères. Du Bloodsucker, du Snork, du Contrôleur et du Bureur. C'était une mission basique. En tout cas, effectivement, le SKL, je peux le poser. Hein. Clairement, le AK a montré qu'il était vraiment efficace. C'est quand même un peu chiant que là où je me suis posé, je suis loin de tous les vendeurs. C'est pas super pratique. C'est quand même sympa. On est bien là. Puis vous verriez en été. Ah, quand il y a des beaux jours qui se pointent, ah, vraiment, on est bien. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, et donc j'avais récupéré des Lurker Hide. C'était où? C'était là. Et ça a l'air fumé. Mutable stackable, no. Ah. Donc ça veut dire que je peux pas multiplier les effets. Je peux en mettre qu'une seule. Parce que quand même, c'est pas dégueulasse, hein, le truc. Efficacité à 58% actuellement, d'accord. Mais plus 15% du boost de stamina. Plus 6 kg de portée. Et plus 3% de résistance balistique, on se fout pas de ma gueule, quoi. D'ailleurs, j'ai aussi ça. Fleur de Psydog. Résistance psychique. Si, ça, je peux bien rajouter par-dessus le reste. Ok. On commence quand même à avoir des trucs, hein. Je sais pas, par contre, si je peux les réparer, ces trucs-là. Ouais, allez, on va dire qu'on est bien. J'ai plus rien à rendre comme quête, éventuellement, que j'aurais raté. Non. Est-ce qu'à tout hasard, il y a quelque chose à faire à Yantar? Ouais, non, il n'y a rien à faire dans Yantar au niveau des quêtes. Oula, mais Yantar, mais c'est quoi cette folie des planques? J'en ai deux vertes maintenant! J'en ai deux qui sont rajoutées de l'autre coup, plus tout plein. Mais qui c'est que vous avez fait? Allez, hop, fast travel. Alors... Ouais, t'es pas un mercenaire, toi, au moins, oui. Sait-on jamais. Il est où le mécano d'ici? Il est là. Salut, toi. T'avais pas du boulot? Tu viens Basic Tools? Oh, mais ça tombe bien, regarde ce que j'ai. 10 000 balles. T'aurais pas du boulot? Un Advanced Tool? Oh, mais regarde, qu'est-ce que j'ai sur moi, justement. Le travail est fait. 1250 balles. Purée, ça tient, hein. Donc la quantité de zombies, de snorks et d'autres saloperies dans le coin, tu m'étonnes que ça tient. Bon, toi, il est prévu, il est fini, mon casque anti-psy. Bon, tu es en deux psy. Et là, le mec, il te file un chapeau en papier d'aluminium. Ça serait drôle. Alors, est-ce qu'il est prêt? Il l'est! Je peux les aider plus en avant en utilisant ce nouveau dispositif pour désactiver les métapsy dans le laboratoire qui est au nord d'ici. Ah oui, ça balance des grenades, quoi. Il y a un militaire juste derrière qui passe, quoi. Je peux se dire avec confiance que notre travail va garder ta conscience en un seul état. Ouais, bah c'est tout. Ah, ça boum. Ok. Ah bah je l'ai le truc. Ça y est, le met. Calibrated. Ouais. Ouais, effectivement, ça met pas de bonus direct. Comment il est parti le militaire? Oups, désolé, je vous dérange. C'est trop ça, ouais. Alors, permettez, braves gens. Voilà. Petite sauvegarde pour commencer.
petit tour du coin, des fois qu'il y a des choses à récup. Mais il est sorti? Mais tu peux sortir en fait, toi? Ah, je peux le fouiller. Oh, salut, toi. Si j'ai le droit, j'ai le droit, hein. Le fait attaquer par quoi, en fait, les mecs? Parce que là, ça tire beaucoup, mais... Oh, tiens, je peux le fouiller aussi, lui. Les mecs, vous êtes fait massacrer, en fait, hein. Je sais pas, vous êtes au courant, mais... Vous êtes un peu de la merde, là. Oh, il y a même un cigare, le gars. Et quoi d'autre? Encore un snork avec une main de snork. Je me demande si j'ai pas assez de main de snork là d'ailleurs. Trois petites sauvegardes. J'ai une planque à aller voir, messieurs, dames, si ça vous dérange pas. Une tête de zombie. Et monsieur, il m'a resté mort dedans. Où quelle est ma planque? C'est ça, c'est ça. Un K74M. On va juste détacher le silencieux. Bon, on avance, hein. La deuxième planque. Qui était directement dispo. Là-bas. Ok. Là. Des basic tools, je viens d'enfiler. Toujours ça de repris, hein. Ok, donc c'est là qu'on va commencer à rigoler. Parce qu'après, on rentre dans la zone qui pue la merde. Ah, mais là-dedans, c'est... c'est l'enfer de l'électricité. Oh, si j'y rentre et que je sors vite fait, ça devrait le faire. Il y a déjà plein de cadavres. Ça, je vois... Ça, je crois savoir où est-ce que c'est. Une planque là, là, là. Et puis après, faut qu'on rentre dans le souterrain pour désactiver le truc à émission psy. Je vais garder le pompe pour l'instant, pour essayer d'économiser un peu mes balles de AK. Vu que normalement, on devrait pas tomber sur des ennemis trop violents. Dans la zone directe. Normalement, il y a... Il y a du snork, il y a du zombie, peut-être du chien, mais pas plus que ça, quoi. Par contre, il y a des tas d'effets psychologiques. Ah, j'ai tué ce con. Il est tout embêté dans le piège tout seul comme un con d'ailleurs, sans douille. C'était beau. Et merde! Ça, ça craint par contre, c'était pas prévu. Je suis bien en full auto normalement. Elle était où, sac à merde? Bon. Ça s'est bien passé. Définitivement, le AK, hein, depuis qu'il est en bon état, ça se passe bien. Hein. Donc, je disais donc, cet endroit pue la merde. Alors, la planque est plus de ce côté-là. Sur les tables, j'ai l'air ok. Ça doit être dans la bagnole. Elle est où ma planque? Ça. Est-ce que c'est ça? Allez. C'est ça. Vas-y, prends tout, réfléchis pas.
Ah, sors de là. Remarquez cet artefact là. La grid. La pas du gain. Bon, on s'en est bien sorti. C'était pas extraordinaire, mais on s'en est bien sorti. Est-ce que ça fait des radiations ce truc? Non. Ça, non plus. Ok. Ça a l'air d'être complètement de la merde. C'est complètement de la merde. Il y a un truc en bon état. Donc ça, c'est complètement de la merde aussi, mais ça, je le savais. Il n'y a rien à sauver. Ça se balance. Salut. Salut. Ok. Vas-y, reprends le pompe. Petite sauvegarde, histoire de... Sauvegarder que jusque-là, on n'est pas mort. Y a un truc à sauver sur cet engin-là. Certainement se faire attaquer par le contrôleur, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah non, il y a une fracture. Une fracture qui a un joint. La fracture qui a un pet. Un petit bédo. Oh, et le mec, le snork est mort, le cul en l'air et en faisant un dab. Respect. Le mec, il est mort, mais avec classe. Bon, ça a l'air assez calme dans le coin, là. Alors, toi, t'étais quoi? T'étais, on n'en sait rien, parce que j'ai rien à récupérer sur toi. Pourtant, je lui ai mis des balles dans la tête, donc le reste devrait être acceptable, quoi. Il devrait encore y avoir des choses à choper dessus. Et c'est contrôleur celui-là, je sais jamais lequel, comment est-ce que qui est quoi. Contrôleur, bureur, bonnet blanc, boulant bonnet. Bah ça j'ai pas envie d'être raciste, mais ils se ressemblent tous hein. Du C4, pourquoi pas. Ça c'est la merde de tout à l'heure, il y a un truc à sauver. Oui. Pour... Qu'est-ce qu'il fait? Eh, gros grou! Ah là 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 là. Ouais, c'est ça, gros grou, gros grou. Ah, mais y'en a plein! C'est quoi déjà tous pour grenade? Grenade. Ça a été moins efficace que ce que je pensais. C'est le Psydog là-bas qui doit m'emmerder. Voilà, salut. Ah la vache, niveau psy j'étais bas. Voilà. Du coup, je commence à entendre des bruits bizarres. Oui, j'appelle le flagelleur mental. J'ai vu que plus tard son vrai nom. Ouais, bah, c'est à peu près ça. Par contre, j'aimerais bien aller de l'autre côté, vu qu'apparemment j'ai une planque verte, mais. Est-ce que je peux seulement y aller? Je suis obligé de faire le tour. Puis j'ai rien pour récupérer ma santé mentale, je pense. Bon, on va tenter de faire un saut. De toute façon, ça a l'air d'être sur le toit. Ça a l'air d'être cette caisse-là qu'il me faut pour... qui doit être la planque. Si à chaque fois, par contre, je... tombe. Yep. Comment ça marche? Bon. Moi, ça me va aussi, hein. Ah, mon rang a augmenté. J'ai obtenu l'achievement
Well-dressed? Ah bon? C'était bien cet enfoiré de Psyduck qui a envoyé des trucs pour Antoine. Ah mais en fait je suis obligé de faire des sauts pour y aller sur ce truc. Ah bah même comme ça passe. Ça passe. J'aurais pas cru tiens. Yes, Mosin, Gunsmith Tools, des tas de merdouilles. Ok. Bon, ça valait quand même le coup, hein. Avec le Gunsmith Tool. Gunsmith Tool. Oh, vache. Pas facile à dire, hein. Ça vaut le coup normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit bien falloir 10 000 balles, minimum 5 000. Ok, on a encore deux planques. C'est dingue que j'ai eu autant de planques dans Yuntar quand même. Hein. Alors c'est où? C'est dans le camion, c'est dans le foin, c'est en dessous. Dans la benne. En tout cas, il y a des trucs dans la benne. Ah, d'accord, il y avait un truc à côté de la roue, j'ai pas vu. Et je suis à 82 kilos. Bon, j'ai encore 40 kilos de marge, hein. Normalement on est bon, mais... Doucement, mais sûrement. La place restante diminue. Alors, cette planque-là, c'est où? C'est en haut? Non mais vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une planque si t'es obligé... Pff, si t'es obligé de te monter tout en haut à la vue de tous pour récupérer ton truc? C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une planque, hein, du coup. Est-ce que je descends par là? Je sais pas si ça mène à quelque part. D'accord, l'électricité devant. Je peux monter jusque là? Donc c'est la première fois que je vais là. Bon, déjà en haut de la cheminée, c'est sûr que j'avais jamais été, mais... Putain, la vue que t'as sur la zone. Pour sniper, ça peut être rigolo. Hihi. Hihi. Non, je peux pas le pousser. Oh, tant pis. No fun. Aou. Ça va, je me suis pas électrocuté comme un couillon. Alors. Il nous reste une planque. Électricité dans tous les étages. Je crois qu'elle est dehors. Normalement j'ai moyen de repasser dehors là, voilà. Mais sans déconner, mais sur quoi ils tirent? Ils tirent sur un truc immortel entre eux ou comment ça se passe? Attends, j'ai quoi? Ah, plastique jar. Ah bah juste là la planque. Bah tout est cool. Vas-y. Et on est à 85 kg sur 125. Tiens, j'avais remarqué que c'était ouvert ça. On prend, hein.
Ok, et c'est là que le fun va commencer.